4 septembre. Puis rendu 11h, je sais pas parler encore parce que je suis pas dans mon assiette. Je suis vidée. Je sais pas quoi vous dire. Mais le transport, c'est encore de la grosse merde. Ça marche pas en tout. Un matin, elle me rappelait du transport scolaire. Que je trouvais qu'elle était full fine une fois au téléphone, tout ça, mais là, pour moi, quand ça a été à bout, elle aussi, là, parce que ça me parlait plus bête aujourd'hui. Elle dit, je vais vous dire, Madame Nicole, elle dit que ça marche pas cette année, puis elle dit, le gouvernement, tu sais, jusqu'à l'enfer, il fréquente l'école à temps plein, même les personnes handicapées, fait que là, ça fait qu'on a réduit on est obligé de les écouter, sinon on se fait taper ses doigts, puis on est obligé de réduire les effectifs de transport. Par le fait même, si on se posait tout rentrer en même temps, fait que c'est pas supposé justifier d'avoir des vannes qui partent pour d'autres heures. Fait que j'étais à bout. On était à bout de mon chum, on se fait niaiser, là. On était à bout. Tu sais, Katia, tu sais, on va s'entendre que c'est elle qui a fréquenté l'école ou pas, c'est pas ça qui va l'amener à son futur, puis à la rendre autonome, là. On s'entend que c'est pour briser la routine, puis surtout donner du répit aux parents, hein? Fait que on était à bout. Je suis plus capable d'être stressée à chaque fois qu'elle va à l'école, puis qu'elle embarque dans le taxi. Ça fait que là, on est en procédure pour la désinscrire de l'école. Regarde, il va falloir qu'ils nous écoutent s'ils veulent qu'on la réinscrive, là, parce que sinon, c'est ça, on est en train de... Mon chum, il a appelé un matin, puis il a dit ça, qu'il voulait la désinscrire, mais là, elle est en réunion. Il est supposé nous rappeler avant la fin d'avant-midi. Ça devrait être bientôt, parce qu'il est déjà 11h. Fait que là, c'est ça, on perd tout notre temps. On avait plein d'affaires à faire, mais on n'est pas concentré à d'autres choses. Je sais pas si vous pouvez comprendre. En plus, qu'à matin, Lucas est parti à l'école, j'ai même pas le temps de saluer parce que le transport scolaire était déjà avec moi au téléphone. Et puis elle me dit, vous avez encore la possibilité de la voyager? Ben oui, on va voyager. On se donnait à peine à voyager quand c'est pour être fourni par l'école, voyons donc. Puis, elle dit, voici un minibus. Ça commence à me ressortir ça en plus. Hey! Fait que là, la solution, c'est que moi, j'ai proposé ce qu'elle parte plus tard, finalement, qu'elle reconduit les autres viennent chercher Katia après. J'espère que ça va être accepté. Mais entre-temps, on est allé se faire niaiser. Ça fait un mois que l'école a commencé, puis on est encore en train de se faire niaiser, là. Fait que là, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut la désinscrire, en espérant que les affaires s'activent plus vite. Fait que je peux vous dire, là, aujourd'hui, je suis pas dans mon assiette. Je vous donne des nouvelles, parce que j'aime ça être transparente, puis vous sachiez... de quoi qu'il y en ait, qu'est-ce qui arrive. Fait que c'est là qu'on est rendu. Je vous retiens au courant. Fait que c'est ça. Je vous retiens au courant de la suite. Puis souhaiter que finalement tout s'arrange. C'est dur d'avoir pensé que tout était correct puis leur descendre plus bas, là. Tu sais. En tout cas, je vous parle. Salut! je vous ai pas parlé bien, hein. C'est tellement une journée bizarre, là. Je suis pas en... Je suis très cassée. Tu sais, ça me fait... Ça vient me chercher les enfants de Catou, là. Finalement, la directrice, elle l'a rappelé. Mon chum, il a jasé full avec. Puis, nous autres, on voulait vraiment être désinscrits. On était à nom de la désinscrite de l'école, là. On devait vraiment être écœurés de se faire niaiser. Tu sais, ça fait un mois qu'on y pense, en tout cas. Finalement, parce qu'on n'a pas eu de retour. Demain, tu sais, une longue conversation de mon chum puis la directrice. Même si ça a mis en conférence avec la directrice adjointe. Puis là, je sais pas jusqu'à quel point ils vont nous prendre au sérieux. Demain, en tout cas, dans le taxi, on sait que là, ils sont pas trop. Il y a deux de moins qu'elle va chercher encore. Fait qu'en principe, demain, ça va être. Ben, comme aujourd'hui, ça va être correct. Puis en plus, aujourd'hui, j'avais laissé sonner ma soeur parce qu'elle cherchait à aller toucher la chauffeuse. Fait que j'avais laissé sonner ma soeur, puis ça l'a beaucoup aidé. Fait que demain, on va y en laisser. Mais là, il n'y avait personne non plus à côté d'elle, là. Fait que. C'est ça. Je me sens tellement pas bien. Puis je trouve ça de valeur, ma petite catou. Puis. Je t'en ai qu'il faut tout le temps, c'est comme mon chum me dit, faut tout le temps répéter, puis là, on l'envoie pas à l'école pendant 3 semaines pour nous faire parler encore de minibus. Faut pas connaître Katia, c'est enrageant, là. En tout cas, là, on a soupé. Finalement, cet après-midi, j'étais vraiment fatiguée, puis mon chum aussi, là. Puis on attend, tu sais, à matin, on attendait l'appel, ça allait appeler, était 11h30. T'sais, on n'ose pas rien entreprendre. Ben, j'ai fait le ménage garde-robe, c'est vrai. J'ai fait le ménage garde-robe en bas, j'ai cassé les souliers. J'ai supposé faire ça la semaine passée, puis là, genre, j'ai fait sur moi aujourd'hui. Mon chum, il a bouché un peu de trou, mais tu sais, on n'avait pas d'enfants, on aurait pu faire plein d'affaires, mais ça me s'activer, puis on n'avait comme pas le courage, puis la tête à ça, là. Puis, en tout cas, finalement, c'est ça, Lucas est arrivé de l'école, j'ai avancé ses leçons, ses devoirs, ça l'a bien été. À ça, il va rester à lire son petit livre. Ensuite, il faut qu'il prenne son bain, il faut que j'écoute ses ongles.
On a mangé pâté mexicain. Mais là, tu sais, j'avais pas de légumes. J'ai senti que j'avais pas le courage, là. C'est pas long, je mettais mon poteau au four. Mais là, tu sais, on a pas mangé de légumes avec ça. Mais il était bon. Même si c'était des piments jaunes, c'était bon. Ensuite de ça, c'est vrai, j'ai eu les résultats pour mon échographie. Puis là, elle dit, le médecin, dit que c'était vraiment beau. Elle dit, à sa grande surprise, elle dit, quand elle avait été touchée, elle croyait qu'il était plus gros que ça. Puis elle dit, finalement, j'ai juste un mini fibrome. Fait qu'elle dit, comme celle-là, il n'y a pas de suivi à faire. À moins que moi, j'ai des symptômes, à un moment donné, je trouve que ça y allait pas, mais comme celle-là, il est trop petit. Puis elle dit, il n'y a même pas de suivi à faire. Fait que c'était une bonne nouvelle, selon moi, j'étais contente. Puis je me demandais, j'étais là, mais j'ai pas quoi les résultats. Je trouvais que c'était long, tu sais, ça va faire 2 semaines demain, dans le fond. Fait que. C'est ça, j'étais contente de ça. Puis c'est ça. Là, c'est rendu après souper. Puis là, je me demande, je voulais pas le ride d'auto. Je voulais m'en écouter un film. Mais là, je sais pas si on va dans leur tête tout faire ça, parce que Lucas va prendre son bain. Puis là, je me demande si demain on va aller chercher pour dîner. Oui, moi, j'aime encore manger demain. Mais tu sais, aujourd'hui, on n'a pas avancé grand-chose. Fait que. C'est ça. En tout cas, j'ai jamais pensé vivre autant d'épuisement émotionnel. Je sais pas si ça se dit. Par rapport à Katia et son transport. Puis tu sais, à ma tête, c'est là j'avais reparlé à l'Office de la protection aussi. Je les ai rappelés, les tenir au courant de tout ça. Fait que c'est ça. Fait que. Pis son doigt, ça a l'air mieux. C'est vrai, j'ai oublié de vous montrer. Son doigt, ça a l'air mieux. Son bobo sur le bois, c'est juste en train de galer. Oups, excusez. Ok, c'est ça, je vous reparle plus tard. Excusez, aujourd'hui, la journée, le vlog sera pas hyper intéressant. Bon, mais est-ce qu'elle a vu l'opportunité? Là, j'ai dû changer son caca. Ah, ouais, non. Qu'est-ce qu'il fait, cadeau? Là, elle aime ça de ce temps-là, ouvrir les portes, les fermer. Toutes les sortes de portes. Elle aime se mettre les doigts à garde. Là, c'est son trip de ce temps-là. Bon, là, on s'en va prendre l'aide d'auto. Là, ça va nous faire du bien. Là, j'ai besoin de décrocher. On s'en va se promener un peu. On prend notre aide d'auto, puis là, Lucas s'est mis à parler de crème glacée. Puis là, ça me tentait. Ça m'a remonté le moral, manger de bonne crème glacée, même s'il fait pas beau. Hein, Katia? Katia? Katou, coucou! Katia, donne la main. Donne la main. Donne la main. Ouais. Donne la main. Ouais. Non? Donne la main, maman. Donne la main. Ouais, fait qu'on va la manger dans l'auto. Puis, c'est ça. Ah, ça le dit. Bon, ben, il n'y a plus vanille, framboise. Fait que je vais goûter chocolat, framboise. On va goûter à ça. Oh, ça va être bon, mais j'avais le goût de vanille, framboise. Ah, ma belle gâteau. Une belle fille. Oui. Oui. C'est vrai, c'est ça. J'ai demandé à Lucas, veux-tu quand même te chercher demain pour dîner? Puis il me dit non. Ça, il tentait pas. Ça m'a surpris. Il vient de dîner à l'école avec ses amis. C'est beau, ouais, le mélange de couleurs. C'est ça, ma crème glacée. J'espère que ça va être bon. Moi, ma crème glacée, c'est ça. Bonne nuit, Katia. Non. Non? Je veux pas un calorifère. T'es non. 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 Non, non. Non. On fait pas ça. Bonne nuit, Kat. Bye, Katou. Bye-bye. Fais des bye-bye à maman, non? Salut. Ça, c'est beaucoup à maman. Elle s'est cachée pour qu'on voit mon... Ah, arrête, Lucas. Je sais pas quoi, oui, mon doux menton. Ouais, là, c'est le dernier moment de la journée. Oui. On vient de lire l'histoire avec Lucas. Ok. Ben. Excusez-moi. Ah, t'as juste bien montré, mais il me. En même temps, ça me cache. Allô! Ça va bien? Hey, ça fait une semaine que t'es parmi nous. Oui. Ouais, ça fait déjà une semaine d'apparition, Lucas. Ça passe vite, t'as pareil les semaines.
Ouais. Maman. Lucas vient de prendre un bain, on lui a lavé les cheveux, parce que demain, on va essayer d'avoir un rendez-vous pour lui faire couper les cheveux. Attends. Parce qu'il devait avoir la photo d'école. Après-demain. Le 2 octobre. Ça, c'est dans... La semaine prochaine. Dans 7 jours. Puis Lucas dit qu'il y a un autre dent qui branle. Ouais. Mais ça, oui, là... Ah, ça, t'es rouge, hein, là. T'es rouge, l'œil. Mais là, il est sur le gratin. Là? Oui. Ah. Puis tu as une deuxième dent qui branle, hein? À côté c'est... de la sac. Ouais. Puis c'est drôle, il parle, puis je me rends compte que sa voix l'a changé. Je trouve qu'il n'a pas la même voix. Attends, vous, vous trouvez-tu? Attends. Hein? Je sais pas, parce que... Bon, je vais rien qui a écouté avant la vidéo mon opération. Là, vous trouvez-tu que ma voix a changé quand je vous parle? Et toi, tu respires-tu mieux? J'ai déjà dit que la première journée, je respire ouais, mieux. Ouais, mais là, c'est encore ça? Oui? C'est drôle. Là, il y a une petite... Il faut qu'il prépare un devoir. Faut qu'il, ils ont mis un petit sac blanc dans son sac. Puis là, en plus, il est très petit. Ouais. Puis... Il faut qu'il rassemble 3 objets. Mais finalement, il ne va pas prendre le pot de crème. Tu vas prendre non? Tu vas prendre quoi à la place? Je sais pas, il faudra que je réfléchisse. Okay. Je vais prendre gros toutou. Ça rentre pas dans le sac. Il faut que tu choisisses 3 objets qui rentrent dans le petit sac blanc. Puis il faut qu'il va décrire sa personne aux amis. Pour que ses amis apprennent à le connaître mieux, dans le fond. Fait que là, il en a choisi. Est-ce que il a pensé à un jeu vidéo. M'ont emmené une cassette de jeu vidéo. Je vais emmener un que je vais pas faire par exprès d'emmener Minecraft. Non, c'est mon jeu préféré. Je vais emmener un caisse que... Un caisse de Pokémon. Uh-huh. Comme ça, tout le monde aime Pokémon. Oh my god, j'ai un Pokémon! Après ça, l'autre affaire, tu vas emmener une plume d'oiseau pour dire que t'as un animal à la maison que t'aimes beaucoup, pis c'est un oiseau. Ouais, mais là, la troisième affaire, je lui enlève le popcorn. Parce que la troisième affaire passait popcorn, parce qu'elle mangeait du popcorn en écoutant un film. Non, mais finalement, je vais l'enlever, je vais emmener gros toutou. Non, mais tu peux pas. C'est quoi, tu pourrais mettre d'autres de bord qui te décrit? Doudou bleu en petite boule. Hé, hey, ça doit avoir un morceau de tissu, hein? Hein? T'arrives pas à avoir un morceau de tissu, mais là, on peut pas en arracher juste un, hein? De quoi? T'aurais pas juste un petit morceau de ta doudou. Là, on faudrait la briser, ce serait pas le fun, hein? Qu'est-ce que je peux amener en petite Qu'est-ce qu'on pourrait amener d'autre? En tout cas, il va falloir qu'elle mette ça pour l'année prochaine. Un dessin de kiss que je voudrais amener comme... Un dessin? Mais là, je le plierais de kiss que je voulais amener, mais je pouvais pas. Je dessinerais gros toutou. Ah ouais, c'est vraiment des objets. Mais gros toutou, c'est un objet... Qu'est-ce que ça peut être? Ben, t'aimes ça les jeux dehors? T'aimes ça aller au parc? J'aime ça jouer avec mes amis! T'aimes ça faire du vélo? J'aime ça gagner. Il va falloir penser à ça. Fait qu'en tout cas, en attendant, on dit bonne nuit. Qu'est-ce que j'aime? Lucas, ben, je suis en train de dire bye-bye. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que j'aime? C'est quoi? J'aime toi. Je pourrais montrer une belle photo non, de ta belle... Non, mais c'est des choses qu'il faut que toi, pour le monde apprenne à mieux te je connaître, toi. Je pourrais montrer une photo de ta belle face, tout le monde serait... Attends, une belle face, non. En tout cas, fait qu'on s'en va demain. J'espère que demain, on va pas décourager par rapport au transport à Katia. Bye-bye! On vous aime fort. Tolo! Bye-bye! Vous aimez plus que comment maman vous aime. À demain, là. Salut!